Good morgen, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nishmat, Abraham, Chaïn, Robert, Ben, Fortuné, Mazal, Yedida, Batester, Chaya, Batoudovar, Chamim, Ben, Rosa, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le Saint-Père éternel, nous étudions Maserhet Bechorot, Rekret, Mishnah Tet, Abechor, Notel, Pishnaim, Benirse, Haav, Veno, Notel, Pishnaim, Benirse, Haem, Veno, Notel, Pishnaim, Bashevach, Velo, Beraoui, Kememorzak, Velo, Aisha, Biktubata, Velo, Abanot, Bimzonotéen, Velo, Ayavam. Un tout autre sujet dans ce chapitre, dans cette Mishnah, c'est qu'on va parler à présent du dîme de Yerusha, de l'héritage. C'est-à-dire, au tout début du chapitre, quand on s'est mis à parler des Bechorot de l'homme, des aînés de l'homme, on a expliqué qu'il y a deux sujets. Dans deux parashiot, dans deux domaines de la Torah, on regarde le principe du Bechor de l'aîné. Il y a le Bechor par rapport au Pidyon HaBen, et le Bechor par rapport à l'héritage. Et c'est deux choses distinctes qui n'ont aucun rapport. Un homme, il peut faire le Pidyon HaBen pour son fils aîné de mère, il peut le faire quatre fois même, s'il se marie avec quatre femmes, que chaque fois, c'est l'ouverture de la matrice de chaque femme, il devra faire le Bechor à chacune. D'accord ? Pire que ça, on avait même appris que Yesh Bechor le Nachala, Veno Bechor l'école la Kohen, c'est le début de la Mishnah, que par exemple, si avec une première femme, il a eu une fille en premier, et puis après avec une deuxième femme, voilà, non, il peut se marier avec plusieurs femmes, avec cette deuxième femme, il a eu un aîné en Bechor. Alors là, il aurait le Pidyon HaBen avec elle, mais malgré tout, il n'y aura plus le din que ce fils-là, il héritera la double part de son père. Parce qu'il y a une autre parasha dans la Torah qui se trouve dans Parashat Kitessé, justement, qu'on va parler plus longuement dans cette Mishnah, c'est le principe de l'héritage. La Torah le raconte. Lorsqu'un homme, il aura deux femmes, une qu'il aime et une qu'il aime moins, il n'aura pas le droit de désigner le fils de celle qu'il aime en Bechor, si toutefois c'est le fils de celle qu'il haït, qu'il n'aime pas, et qui est réellement l'aîné. Parce que là, il a une misa de lui donner Yaki et Ben Asenoa Yakir, la tête l'opishnaim. Il devra reconnaître, déclarer c'est qui Behemet, c'est qui le Bechor, qui prendra la double part, pour lui donner une double part. Mikol Hashem Matzelo. J'insiste, je répète le passage que c'est pas pour rien, c'est parce que on va prendre justement plein de l'achot sur ça. Qui est Bechor ben Asenoa Yakir la tête l'opishnaim, Mikol Hashem Matzelo. Il devra reconnaître l'aîné du. Donc, même si c'est de la femme qu'il haït, afin de lui donner la double part, Mikol Asher Imatzelo, de tout ce qui se trouvera pour lui. Voilà à peu près. Kihur Eshitono, lo mishpat Bechor aussi. Il y a le passage avant qui disait Kihur Eshitono, lo mishpat Bechor, car c'est lui, Eshitono, la tête, sa première force, c'est lui le premier être qu'il a créé sur terre. Lo mishpat Bechor, à lui revient le statut de l'aîné pour recevoir la double part. On apprend de là tout le sujet de notre Mishnah. En l'occurrence, trois halakhot qui sont Abechor notel pishnaim benirse ha'av venotel pishnaim benirse ha'em. L'aîné de père, donc, prendra notel pishnaim, il prend une double part, benirse ha'av, dans les biens de son père, velo pishnaim benirse ha'em, mais pas une double part dans les biens de sa mère. C'est-à-dire que lorsque sa mère décède, imaginez que son père il est décédé, donc c'est pas le père qui va hériter sa mère, parce que le mari hérite sa femme, mais là c'est pas ce qui se passe. Son père est déjà décédé, ensuite la mère décède. Elle laisse des biens. Elle avait aussi des biens personnels. Eh bien, ces biens-là, ils se partageront à part égale entre tous les frères. À la différence du partage avec le frère, avec les biens du père, où là-bas, le Bechor prend une double part. On avait déjà évoqué le cas. Imaginez qu'ils sont trois frères et que le père il a laissé 1 million de shekels. Eh bien, on considère qu'il n'y a en fait pas trois frères, qu'il y a en fait quatre parts. Parce qu'on va donner deux parts au Bechor. Donc, le million, au lieu de faire 333 000 à chacun, eh bien, on va faire non. En fait, comme s'ils sont quatre, 250 chaque part. Deux, ils vont prendre 250 et lui, il va prendre 500. D'accord ? Donc, ça, c'était le premier sujet. Ça, c'est déduit. Ki hu reshit onor lo mishpat abechora. Et de là, on exclut. Lo mishpat abechora. Pour lui, il y aura la. Je ne rapporte plus exactement quel mot, mais en tout cas, c'est déduit la Gemara de cette phrase. Ki hu reshit onoré. Ono shelo velo ono shela. Donc, c'est parce que c'est la première force de son père qu'il prend il prendra la double part des biens de son père. Et pour exclure de sa mère. De sa mère, il prendra une part égale avec tout le monde. Deuxième sujet, la Mishnah.
Venontel, ça va ensemble en fait, les 2 et 3. Venontel Pishnaim Bashevach, il ne prendra pas une double part de ce que les biens vont, comment dire, vont produire de même, vont s'améliorer. Velo Beraoui Kebemurzak, et pas de ce qui est censé revenir mais qui n'est pas encore présent. Ça, c'est déduit de la fin du Pasuk qui nous disait Mikol Asher Imatzelo, tout ce qui se trouvera chez lui. Je m'explique. Le père est décédé, il avait un bien qui coûtait 1 million de shekels, il avait 3 frères. Donc on a dit, de ce champ, ils vont 1 million, ils vont le partager en 4 parts, ça fait chaque part 250, l'aîné il en prend 2. Maintenant imaginez qu'après, une fois que le père il a décédé, il y a eu, peu importe si c'est parce qu'ils ont investi justement, ou bien parce que même de soi-même, imaginez, vous avez un champ où d'un coup il y a une source qui s'est mise à jaillir dans le champ. Un champ avec une source à l'époque, quand il n'y avait pas des robinets, ça coûtait une fortune. Par rapport à un champ où il n'y avait pas d'eau, il fallait partir, il fallait prendre des employés pour aller avec les seaux d'eau et rapporter le seau d'eau pour arroser le champ. Vous imaginez, si vous avez une source d'eau qui se met à jaillir naturellement dans le champ, c'est mamache, vous avez touché le loto. D'accord ? Donc, imaginez que le bien maintenant, une fois que le père est décédé, il y avait ce bien qui coûtait 1 million à partager, et d'un coup, l'eau commence à jaillir. On a creusé, il y a eu un puits qui est, il y a eu de l'eau naturellement qui a commencé à sortir de là-bas. Du coup, le champ il coûte 1 million, il coûte maintenant 2 millions. Comment on fait le partage? Eh bien là, il y a ce qu'on appelle le keren et le shevach. Keren, c'est ce qui est initialement là, le capital. Le shevach, c'est les intérêts que ça a gagné, la plus-value. Le bechor prend une double part dans ce qui est là, mais pas dans le shevach, pas dans la plus-value qu'il y a eu ensuite. C'est-à-dire, sur le million, quand ils vont partager le terrain, ils vont dire, bon, le terrain coûte 2 millions. À combien on revient chacun? On va faire comme ça, on va dire. Pour le premier million qui était déjà là lorsque le père est décédé, ben alors on a dit 500, 250, 250. Mais pour le million supplémentaire que le champ il a pris de lui-même, là on se partage 333 chacun, d'accord? C'est clair? Parce qu'il ne prend pas de chevar, il ne prend pas de double part dans le chevar, il prend une double part que dans ce qui est le capital initial. Et même mieux que ça encore, imaginez que le père, en plus de ça, il avait quelqu'un d'autre, il avait une reconnaissance de dette, que quelqu'un d'autre, il lui devait aussi 500 000. Ouais, il lui devait 500 000 shekels. Il avait un shtar, il avait un contrat signé en bonne due forme, avec lui, il pourra même partir chercher des carcaotes, et partir chercher, faire une saisie des biens et tout ça. Le père, il est décédé, les enfants vont récupérer cet argent. Eh bien, cet argent qu'ils vont récupérer, ça s'appelle du Raoui, et pas du Moursac. C'est du apte à revenir, mais c'est pas du présent. C'est pas du concret. Il prend une double part de Cholachéri Matzelo, tout ce qui est déjà là, tout ce qui est présent, mais pas ce qui est potentiellement qui va revenir, même si c'est sûr que ça va lui revenir. Mais ça s'appelle Raoui, c'est des dettes. Mais c'est pas du Moursac, d'accord? Donc, sur ce, on avait dit le champ de 500 000, ils vont se partager, ils vont faire, ça fait combien ils vont pas faire, ils vont se le partager en 3, ça fait 166, 666 pour chacun. Et voilà, d'accord, ils ne vont pas faire le partage plutôt 125 chacun et l'autre il va prendre 250. Et à présent, on continue. Maintenant, sache que toutes les règles que je t'ai apprises maintenant, ces trois choses-là, en fait, deux choses qui m'intéressent, par rapport au Shvach et par rapport au Raoui Kebemurzak, que le Bechor ne prend pas Raoui Kebemurzak, sache que ce sera le même principe aussi. Velo Aisha Biktubata, Velo Abanot Bimzonotéen, Velo Ayavam. Trois cas de figure encore où il y a des gens qui vont prendre, qui vont partager, qui vont recevoir des biens d'un mort. Qui sont en l'occurrence, par exemple, ou même, Aïcha Biktubata, une femme pour sa Ktuba. Lorsqu'un homme il divorce sa femme, alors sa femme elle a un droit de saisie des biens du mari. Eh bien, elle pourra prendre. Attendez, j'ai un petit détail, ouais, c'est ça, on parle aussi du cas où la femme elle est morte. C'est-à-dire, on ne parle pas du cas où le mari divorce la femme. Lorsqu'un mari divorce sa femme, la femme, selon la Torah, la femme n'hérite pas le mari. La femme, juste, lorsque le mari s'est marié, il a dit, écoute, quand tu te libéreras de moi, tu recevras une petite somme pour te retaper, refaire ta vie. Il y a des conditions comment faire, tant qu'elle va rester la veuve de son mari, les enfants doivent la nourrir des biens. Et après, mais dès qu'elle va aller refaire sa vie, on lui donne ce qu'il y a écrit dessus, et ça y est, c'est tout. On se sépare. Donc, maintenant, la femme, donc, elle a le droit de recevoir une part des biens du mari, puisque le mari s'est engagé de lui donner, c'est ça que tout bas. En plus de la Ktuba quand il divorce, il s'engage aussi à donner cette même somme-là si toutefois le mari décède. Alors maintenant, sur ça,
Elle est limitée à prendre que ce qui est là, les biens qui sont présents lorsque le mari décède. Mais parce que les biens vont avoir une plus-value ensuite, ils vont produire, ou encore les biens que les enfants vont récupérer du mari. Ouais, si par exemple le mari il avait prêté, même ça, il avait prêté 500 000 à quelqu'un, et lorsque le mari décède maintenant, il y a juste un bien présent, il s'est engagé à donner 1,5 million à la femme, mais il n'a que 1 million de disponible. Mais pour le deuxième million, pour le demi-million supplémentaire, il a une reconnaissance de dette. Ça s'appelle du raoui, la femme ne pourra pas les prendre même lorsque les enfants ils vont encaisser leur dette. D'accord? Idem encore avec Vlo Abanot, Bimzonoten, pas les filles pour leur maisonnote. C'est-à-dire aussi, les filles pour leur maisonnote, pour leur nourriture. De quoi on parle? On parle, c'est un peu le même principe, c'est un engagement, donc on s'engage en Aktuba. Que lorsqu'un père décède, alors selon la Torah, les enfants héritent et pas les filles. Et les filles, elles ont en théorie rien. Mais malgré tout, il y a eu un Tnaï Ktuva que les Chachamim ont été metaken, qu'on écrit dans la Ktuva, que malgré tout, jusqu'à que les filles vont grandir et qu'elles vont se marier, alors les enfants ont leurs biens, les biens qu'ils héritent sont engagés pour pouvoir nourrir les filles. Il y a tout un Nosar, Benatan Nukva, de c'est rapporté dans le Vartanora ici. Benan Nukvin dit En deux mots, quoi, les banot nekevot, donc les filles, dit Yehavian lechi, sheyulach minai mimeni, donc les filles que tu vas avoir de moi, Yehavian yatvan bebeiti, elles vont être installées dans ma maison, elles vont rester assises dans ma maison, à mes frais, mitzanan minirsaï, et elles se nourriront de mes biens. Alors là, même principe, elles pourront prendre, elles seront limitées avec tous les biens présents. Mais pas avec les biens qu'ils vont avoir une plus-value d'eux-mêmes, ou encore les raouilles, les dettes qu'ils vont récupérer ensuite les enfants. Et idem encore avec Vélo à Yavam. Même le Yavam aussi, c'est le même principe. C'est quoi le Yavam? On parle que, on va prendre un cas où il y avait quatre frères. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven, il était marié à une femme. Il n'a pas eu d'enfant. Et Réhouven est décédé. Alors maintenant, il y a sa femme, maintenant, elle s'est une Yavama. Il faut qu'il y ait un des frères qui se marie avec elle pour essayer de lui amener une progéniture à son frère défunt. D'accord? C'est un précédent qu'on fait. Shimon, Lévi ou Yehuda. On va apprendre que c'est Yehuda. Il va se marier maintenant avec cette femme. Alors, la Torah l'a précisé. Vaya Bechor Asher Teled. Vaya, comment c'est dit déjà? Vehaya Bechor Asher Teled. C'est déduit d'un passouk, on ne va pas rentrer dans les passouks, ça va prendre trop de temps. Il y a une anomalie en fait dans le passouk, donc il faut expliquer comme ça. On parle du quoi que Ve'aya ha-Bechor, Asher Teled, c'est pas qu'il va avoir un aîné qui va naître, mais c'est que celui qui prendra cette femme, il aura le même statut que le Bechor. Voilà en fait comment il faut interpréter la Torah. C'est-à-dire, je m'explique. On a maintenant, il y avait initialement quatre frères. Il y en a un qui est décédé. Tant pis, il est parti, il est parti. Il y a leur père maintenant, c'est qu'il y a ces trois frères restants, il y a leur père, il y a Yaakov. Lui, Yaakov, il est riche, il a un grand champ. Ça coûte 1 million de shekels son champ. Lorsque Yaakov va décéder, alors en théorie, il devrait se partager les trois frères, chacun 333. Mais là, on va dire non, puisque Yehuda, c'est lui qui a pris la femme, alors lui, il va hériter de la part de son frère Réhouven. Et là, de nouveau, il ne prendra que ce qui est Mourzak, mais pas ce qui est Raoui et ni ce qui est Shevach. Selon le même principe aussi de nouveau, c'est un peu le même statut que le Bechor en réalité, c'est qu'une fois que si toutefois il va avoir un petit cousin qui va décéder, et que finalement il n'avait pas de descendant, il n'avait pas non plus d'ascendant, du coup on se retrouve avec ces biens-là, et bien là on ne dira pas ah non, le Yehuda il va prendre la double part, donc il doit prendre la part de Reuven. Non, ça ne marche pas comme ça. Sur l'héritage direct, oui, mais pas sur les choses qui viennent les à côté, d'accord? Mais là, il y a vraiment ensuite on continue, c'est une répétition dans la Mishnah qui m'enseigne. Et tout ce qu'on a évoqué ne prendront pas dans le Shevach, ne prendront pas dans la plus-value du bien, velo beraoui kebe mursak, et ni dans ce qui est raoui de le revenir et comme le mursak. C'est-à-dire, mursak, c'est ce qu'ils possèdent déjà. Et ça, ils doivent se le partager. Mais ils ne prendront pas sur ce qui est raoui. Donc en fait, la Mishnah s'est répétée de nouveau pour inclure deux choses. Pour inclure d'abord, pour apprendre sur le Shevach, sur la plus-value, tu aurais pu croire que c'est une plus-value que s'ils ont investi de l'argent. Mais si c'est une plus-value qui est venue d'elle-même, peut-être qu'il devrait se partager prendre une double part. La Mishnah a répété pour te dire non, il ne prendra pas une double part du Raoui. Ça, c'était pour du Shevach. Et par rapport
Raoui, j'ai oublié déjà, c'est dans le Vartanora, de seconde, Ve la touye, imaya avi aviem, chai bishat mitat aviem, venu chassim roem les pol, l'élem kshamut. Ouais, donc, c'est pas le cas que je vous ai dit tout à l'heure. On parle du cas en fait en réalité où le. C'est que, c'est-à-dire, même si hein, la Mishnah a eu besoin d'insister pour me dire que même s'il y a un ascendant, que c'est la lignée directe, que c'est sûr, dans le papy, il a 95 ans. C'est sûr qu'il va décéder dans les prochains 25 ans, enfin, même dans les prochains jours. Et là, il est déjà mourant et tout ça. Et bien malgré tout, ça c'est considéré comme du Raoui et pas comme du Mursak. C'est pour ça qu'on insiste en fait pour te dire c'est que ce qui est Mursak et pas ce qui est Raoui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.